Alors, c'était bien ta soirée? Ça va, ouais. T'étais pas content de revoir tes copains? Si, si, mais je sais pas, c'était un peu relou. Genre, je leur ai parlé du lycée et ils pensent que c'est plus clan, genre. Ouais. T'as jamais pensé ça, toi? T'as réfléchi à ce que tu voulais faire? Sur quoi? Le lycée. Tu m'as dit que t'avais besoin d'aller là-bas pour faire ton deuil. Je comprends. C'est pour ça que je t'ai trouvé une place. Et t'avais raison. T'as l'air d'aller mieux. T'es plus posé, plus sérieux. Je crois que je t'ai jamais vu faire tes devoirs un samedi. Il y a un mais à un moment où... Mais... Tu crois pas qu'il serait temps de rentrer maintenant? Je pourrais... Appeler ton ancien lycée pour voir si... Non, je suis bien vitré, j'ai pas envie de rentrer. Jaï, c'est pas ta vie là-bas. Tu passes ton bac cette année. Mais je sais, je suis littéralement en bac pro, maman. Un bac conduite et gestion de l'entreprise agricole. C'était pas vraiment ton plan, ça, si? Tu veux pas passer un bac normal? Normal? Tu m'as comprise, un bac qui te laisserait plus de possibilités. Mais c'est le bac que passait Max. Oui, mais t'es pas Max. T'as jamais eu envie de faire ça, toi? Maman, j'ai jamais eu envie de rien faire, moi. Alors pourquoi pas ça? Putain, meuf, comment j'ai hâte, on va retourner la baraque. Ça va faire plaisir à tes parents, ça? Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, je rangerai avant qu'ils rentrent. Ils vont où? Je sais pas, en pré à la con, quand même. Ils sont jamais là. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal, non? C'est... Ouais, on dirait un mix entre un énorme prank et un gros film porno, quoi. Sérieuse? Oh, ça va, t'abuses? Non, mais c'est pas mal, hein. Ça, c'est le principe d'une soirée déguisée. Regarde, avec les oreilles, c'est pas plus mignon, ça? Tu prépares ton winter body ou c'est comment, là, Chloé? Non, grave pas, je... Je sais pas, je suis un peu stressée, du coup, je bouffe. Ah ouais? Ouais. C'est quoi qui te stresse? Bah, il y a un peu de Jordan, hein. Il est vénère à cause de la CG1 en ce moment. Puis je sais pas, on n'est pas connectés, tu vois. C'est pas Max? Max? Grave pas, non? Pourquoi tu parles de lui? Putain, Chloé, me prend pas pour une conne. C'est quoi ça? Putain, le pull de Max! Je savais que je l'avais perdu quelque part. Ouais, c'est bon, arrête là! Pourquoi tu m'as rien dit? Oh, on est meilleurs potes, non? T'es sûre de ça? Non, parce que ça fait 2 semaines que tu me calcules à peine. Y'en a que pour tes nouveaux potes. Qu'est-ce que ça peut te foutre qui je baise ou non? Alors déjà, ça m'intéresse et je veux juste t'aider en fait. T'en as pas marre de vouloir aider tout le monde tout le temps? Basile, Céline, tes potes! Moi, je t'ai rien demandé, putain! Lâche-moi! C'est gentil d'être venu nous voir, Swan. Merci, chérie. Ça fait longtemps, hein? Ouais. Bah, depuis l'enterrement de Max. Bon, Sohan, toi, comment tu vas? Ça va. Je me suis inscrit à Angela Duval. J'avais besoin de comprendre. Max est mort. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de plus? Je cherchais quelque chose pour essuyer. Excuse-la, elle a encore du mal à s'y faire. Mais tu sais, on s'en remettra jamais. Bon, et l'école, comment ça se passe? Ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Les gens sont plutôt cool, en fait. Et Max avait l'air bien aussi là-bas, je comprends pas. Pourquoi vous leur avez rien dit? Bah, tu sais ce que c'est. Au début, on n'y a pas pensé, sur le coup, c'était... Puis on avait tellement de choses à gérer.
Et puis quand septembre est arrivé, bah, on s'est dit que c'était trop difficile à expliquer. C'était trop douloureux. On doit rien à ces gens-là. C'est à cause d'eux que Max... Tu trouveras rien là-bas, Sohan. Tu perds ton temps à poursuivre tes chimères. Je peux utiliser les toilettes? Oui. Ça va? Ouvre-moi, s'il te plaît. Ok, je sais, j'ai pas été assez présente ces derniers temps. Je suis désolée. Promis, je suis là maintenant, ok? Parce que je vais faire tout ça.